Salut, c'est Néo. Je voudrais revenir sur un atout. En fait, j'ai pas envie de parler d'atout. J'ai envie de parler de ce qui s'est passé hier. Voilà. Hier, j'étais sur le net, sur Facebook, et il y a un gars, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, enfin, je m'en balance de son nom en fait. Il marque, il me fait une tartine comme ça, oui, voilà, les clones. C'est la fin du monde, si on en achète, vous allez tous mourir demain. Enfin bref, j'ai une sale coupe. Et sur ce, je lui réponds, je dis, bah, chacun son avis. Enfin bref, ouais, moi j'ai du clone, j'en suis content. J'ai du vrai, voilà, qui m'a coûté cher et qui marche aussi très très bien. Et là arrive, c'est Léane, ou je sais plus comment elle s'appelle, quelqu'un de chez Apomaniac, qui me sort que tout. En fait, leur explication qu'ils ont eue en fait entre eux, et ben en fait, c'était pas fait pour les huîtres comme moi, voilà, enfin comme tous les gens qui achètent du clone ou qui sont pas d'accord avec les vapomaniacs sont des huîtres, oui. Et qu'elles ne parlaient pas palourde en deuxième langue. Donc, j'ai envie de lui dire, je m'en bats les couilles. Hein. Ce que tu me racontes, je fais ce que je veux. C'est pas toi qui vas me dire s'il faut que j'achète ça ou ça, là. T'es pas pour qui, la petite là. Enfin bref. Ça fait 1 an et demi que je vapote ma cocotte. D'accord? Reconstructible, constructible, machin. J'ai pas eu encore besoin des vapomaniacs pour me dire à moi ce que je dois faire, ce que je dois vaper, ce que je dois pas vaper. Donc la prochaine fois, tes histoires, tes explications, tu vas aller parler aux gens super intelligents que tu connais. D'accord? Parce que les huîtres comme moi, ben on s'en balance grave. Ok? Voilà. Parce que franchement, j'expliquais à un mec que chacun son avis et toi tu viens mettre ton grain de sel et les vapomaniacs par-ci, les vapomaniacs par-là. Les vapomaniacs, je m'en balance grave. Le mec fait sa revue, parle des atos, voilà, des atos, parle des liquides, parle des drips. Tiens, il est beau celui-là, tiens, il va te piquer le cobra. Mais c'est tout. Viens pas me faire un avis sur ce que je fais. Je m'en balance, moi. Je le fais, ça me fait plaisir. Et quand je me regarde sur la caméra, je me fais rire tout seul. D'accord? Ça te plaît pas? Passe ton chemin. La route, elle est par là. Hein? Voilà. Enfin bref, au départ, je voulais faire une revue sur l'Ego W3. Mais en fait, il fallait que je lui réponde parce que ça m'énerve. En fait, j'en ai marre de pianoter, là, d'écrire. Là, c'est mal, gars. Je me suis fait bobo, toi, à force. Donc, voilà. Bon, l'Ego W3, c'est un très bon atout. Il n'y a rien à dire. Il est pas cher, 22 euros. Voilà. Je ferai une autre revue peut-être là-dessus. Voilà. Enfin, en fait, j'en ai tellement marre d'entendre toutes ces âneries, parce que je vais être poli, que ça me gave. Mais grave, hein. Franchement, t'as l'impression qu'il n'y a que eux qui ont le droit de mettre une vidéo sur YouTube. Il n'y a que eux qui peuvent faire ça, quoi. Ils sont trop forts. C'est les meilleurs, tu vois. Tu vois, quand lui, il touche un atout, l'atout, il se monte tout seul. Il n'a pas besoin qu'on lui explique. Le mec, il sait déjà. Il est trop fort. Et oui, je ne sais pas d'où il sort, mais il est trop fort, le mec. Mais c'est pas le seul. Les vapomaniacs, ils sont trop balèzes. Je vous dis, abonnez-vous à leur chaîne, vous verrez. Voilà. Les mecs, ils sont neutres. Neutres. Attention, pas de clones. Ah non, jamais. Non, non, jamais. Non, pas de clones, non. Non, on fait pas ça chez nous, on est désolé. Pas de clones, non, non. Russiane, non, mais c'est pas pareil. C'est fait par un mec qui les a bien fait. Donc, non, celui-là, on peut dire, c'est un bon pas clone. Hein? Non, c'est un bon pas clone. Enfin, bref. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. 4 minutes 14 de vidéo, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est tout. À bientôt. Hein? Si, après cette vidéo, je me suis pas fait plein d'ennemis. Hein? Allez, à bientôt.